Atelier d'écriture, écrire une histoire courte. Consigne. Pour écrire une histoire courte, il te faut 4 éléments. Le personnage principal, les personnages secondaires, le lieu de l'action et des objets importants à l'histoire. Pour chacun de ces éléments, tu auras 6 options. Pour choisir au hasard parmi les 6 options, lance un dé de 6. Choisis un personnage principal. Voici les 6 options. 1. Une licorne. 2. Un magicien. 3. Un dragon. 4. Un pirate. 5. Un robot. 6. Un astronaute. Choisis 2 personnages secondaires parmi les 6. 1. Un chat. 2. Un chien. 3. Un fantôme. 4. Un extraterrestre. 5. Un panda. 6. Un chanteur. Choisis le lieu de l'histoire parmi 1. Dans un chalet en forêt. 2. Dans le désert. 3. Dans l'espace. 4. Dans une ville. 5. Dans un laboratoire. 6. À la plage. Enfin, choisis 2 objets importants parmi 1. Un parapluie. 2. Une guitare. 3. Des cadeaux. 4. Un vélo. 5. Une glace. 6. Un télescope. Tu as maintenant tes 4 éléments pour écrire ton histoire. Réponds aux questions suivantes. Qui est le personnage principal? Qui sont les personnages secondaires? Où se passe l'histoire? Quels sont les objets importants? Écrire une histoire, le schéma narratif, les 5 étapes. La première étape est la situation initiale. C'est le début de l'histoire. Ensuite, il y a l'élément déclencheur. C'est un élément qui change la situation initiale. L'élément déclencheur est le début de l'aventure. L'aventure, c'est toutes les actions que ton personnage principal va faire. Ensuite, il y a la résolution. La résolution, c'est une solution au problème de l'élément déclencheur. Enfin, la dernière étape est la situation finale. La situation finale peut être similaire à la situation initiale ou différente. Maintenant, tu es prêt à écrire ton histoire. Bonne chance !